Et bien pour ça, tous ses amis, supporters parisiens, supporters parisiennes, supporters de ton club, j'espère que vous allez bien. Moi, j'espère donc avant de passer, mais j'aime, on commente, on est tranquille. Les amis, je vais vous faire une vidéo. Voilà, je voulais vous parler un peu sur le. Vous avez vu le match du Real Liverpool. Les amis, quelle mentalité, quelle envie, vous avez vu l'envie du Real? C'est incroyable, les amis. Les amis, je voulais faire une vidéo sur ce match-là. Ce match-là, j'ai vu, j'ai trouvé un bon match. Le Real, quelle mentalité, les amis. Quand je vous dis la mentalité madrilène est magnifique, elle est magnifique mentalement, physiquement, tactiquement, ils ont changé les choses. Nous, va falloir vraiment qu'on se réveille. Maintenant, va falloir que Paris assume les comptes. Maintenant, va falloir que Paris cherche des choses parce que là, si on joue contre, si on se qualifie contre en quart de finale, peut-être, on ne sait pas. Si on se qualifie peut-être et on tombe contre Real, va falloir vraiment. Serrer la mise, enfin faire attention aux remontadas et tout. Mes amis, incroyable match. Quel match! Là, Paris doit se remettre en question. Les amis, moi je me dis la tête, faut que le PSG se remette en question. En termes de remontada, vous avez vu la remontada? Nous, on n'est pas, on n'est pas un club qui a la mentalité d'une remontada. Je vous dis la vérité, les amis. Nous, le Paris Saint-Germain, on n'a pas la mentalité d'une équipe qui fait les remontadas comme le Real. Comme je sais pas qui, comme City, on n'a pas cette mentalité. Nous, notre club n'a pas cette mentalité. Mais le Real a la mentalité. Nous, au bout, moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans le match des Madrilènes, on dit Madrilènes ou Madrilènes, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bah moi, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah ils y croyaient, c'était pas fini, ils se sont dit dans la tête 2-0, 2-0, moi je vois le match. Je me suis dit, ouais, ça, le match, c'est pas fini pour eux. Je me suis dit, pour Real Madrid, c'est pas fini. Il allait y avoir une remontada. Je sentais qu'il allait y avoir une remontada. Parce que c'est un Liverpool qui est pas dans son état de forme. Pas ouf. Parce que Liverpool a failli perdre plus que 5-2, 6-7 minimum. Mais les amis, la remontada. Paris, là, doit se remettre en question. Et même les joueurs aussi doivent regarder ce match. Je pense que même les joueurs ont regardé ce match, ou je sais pas, ou je ne pense pas, parce qu'ils ont entraînement. Donc, voilà, ils doivent se reposer. Ils ont un match dimanche qui arrive. Donc, ils devront le préparer. Donc, voilà. Les amis, ils se sont reposés. Les amis, les joueurs du Real, c'est incroyable. Ancelotti a tout changé à la mi-temps. Ancelotti a communiqué un discours d'homme, un discours de patron. Moi, je pense que c'est ça qui leur a fait pour que le Real se réveille. Et on a vu vraiment un match. C'est ça un vrai match. C'est ça que le PSG doit faire. Mais nous, le PSG, on n'a pas la mentalité. On a tout le temps une mentalité. Tout le temps, on joue chacun seul. On joue énervé comme Neymar. On joue ça assis. On n'a pas de défense. On n'est pas bien préparé le jour J. Et Liverpool, je vous dis la vérité. Si Liverpool n'a pas. Si Liverpool ne s'est fait pas encaisser tous ses buts. Mais voilà, pour moi, ils ont fait un vrai match. Pour moi, on doit suivre l'exemple. Pour moi, les Parisiens, pour moi, le PSG doit suivre l'exemple du Real Madrid. Je suis désolé. On doit suivre l'exemple du Real Madrid. On doit regarder. Pour moi, tout le monde a regardé ce match. Je pense que minimum, tout le monde a regardé parce que c'est un match. C'est un match d'homme. C'est un match de guerrier, là. C'est un match de guerrier, c'est un match où Real a tout montré. En tout cas, bravo à eux. Bravo pour le Real Madrid, parce que Real Madrid a fait un grand, grand match. Parce que sur le plan physique, sur le plan mental, mentalement, tu dis 2-0, tu dis ouais, qui dit perdre, qui dit y croire. Parce qu'on connaît avec le Real, faut y croire quand même. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, il va falloir vraiment qu'on, comme je vous ai dit, pour moi, pour le PSG, comme je vous ai dit, le PSG, là, va falloir vraiment chercher les choses, se réveiller, Campos. Et eux, Real, qu'est-ce que j'aime bien, ils n'ont pas de problème. Eux, ni administration, ils n'ont pas de problème. Ni entraîneur, eux, ils sont tranquilles. Eux, ils sont tranquilles. Nous, on a des problèmes, ça, Campos, ça, Galtier, je sais pas qui. Moi, c'est ça qui me fait chier au PSG. On a tout le temps des problèmes. Un joueur blessé, un joueur ça. Regardez aujourd'hui Real.
Il faut que le PSG se mette en question. La semaine dernière, si on n'avait pas Mbappé, on pouvait gagner. Mais là, ils avaient pas, ils avaient Benzema, ils avaient Vinicius. Mais ça veut rien dire. Parce que pour moi, la chose la plus importante, pour moi, je me dis la tête, c'est plus défensivement et offensivement. Donc pour moi, milieu aussi, le milieu, bravo à Camavinga, match done, pour moi. Voilà. En tout cas, pour moi, Vinicius a fait un grand, grand match. Vinicius a profité de ce match aujourd'hui. Donc, voilà, pour moi, c'est un très bon match. Mes amis, il va falloir vraiment que le PSG se remette en question. Il va falloir vraiment. Parce que là, Ancelotti bat techniquement Galtier. Je vous dis la vérité. Donc là, si en huitième de finale, c'était un Real Paris, bah, on allait se faire foudroyer le cul. Hein. Je suis désolé, les amis du terme, mais on allait se faire foudroyer. On allait perdre. Que ce soit au retour et à l'aller. Bon, je vous dis la vérité. Heureusement, on n'a pas joué contre un Real. Heureusement, on n'a pas commencé un Real Madrid. Parce que joue comme ça avec la mentalité, joue comme ça avec le Real, regarde la mentalité. Regarde, c'est une grande équipe. En termes de mercato, regardez, ils veulent recruter encore des joueurs. C'est ça qu'on aime bien. Nous, ça y est, c'est fini. Non, 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 c'est pas fini. On recrute. Mais on va parler sur le contenu du match déjà. Le jeu, c'est incroyable. Pour moi, le jeu, ils ont un vrai jeu. Ressort du ballon, impec. Ils ont abordé ce match-là sans stress. Deuxième partie de mi-temps sans stress. Ils ont joué leur jeu, leur tactique. Leur coaching était réussi. Leur changement, je pense qu'il a fait tout changer. La tactique d'Ancelotti a tout changé. Donc voilà, pour moi, ils ont fait vraiment un grand match d'hommes. Pour moi maintenant, bah, Paris doit suivre cette image-là, cet exemple-là. Quand tu es en train de perdre 2-0, bah voilà, Paris maintenant. Faut y croire, donc voilà, va falloir vraiment que le PSG se réveille, comme je vous ai dit. Va falloir les Soler, les Vitinha, etc. Va falloir vraiment qu'ils regardent, qu'ils mouillent le maillot. Parce que là, tous les joueurs du Real ont mouillé les maillots. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça que j'ai à vous dire. On va passer un peu. Voilà, donc voilà, les amis. Bon, bah voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez Paris, on va peut-être faire une vidéo demain soir, peut-être. Je vais vous faire une vidéo un peu sur Tourelle. On va parler encore sur Coach Tourelle. Allez Paris, bonne soirée, à demain. Bye.